Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des crèmes au chocolat, donc faites au Thermomix, petit clin d'œil à Foxy. Alors ces petites crèmes sont très rapides à faire, environ une quinzaine de minutes. Tout de suite, la liste des ingrédients. Alors pour réaliser ces petites crèmes au chocolat, il faut alors 750 g de lait demi-écrémé. Vous pouvez, si vous voulez, prendre du lait écrémé pour alléger la recette, comme vous le voulez. Ensuite, 120 g de chocolat noir, 40 g de maïzena, 40 g de sucre en poudre et pour terminer, 2 œufs des cocottes de Montjardin. Alors, je commence par broyer le chocolat noir dans le Thermomix. Je l'avais coupé au préalable en petits morceaux. Alors, je racle un petit peu les bords pour que le chocolat soit bien dans le fond. Et au niveau de la puissance, je l'ai mis 10 secondes, puissance maximum, donc numéro 10. Ensuite, je vais incorporer tous les ingrédients dans le Thermomix. Alors, je mets le lait. Les œufs. Le sucre en poudre et la maïzena. Alors, et là, je vais mettre le Thermomix en route. Donc, je vais mettre 9 minutes à 90 degrés. Et vitesse 3. Et c'est parti. Voilà, les 9 minutes sont écoulées. Et je vais pouvoir maintenant mettre la crème en pot. Alors, j'ai préparé cette peau. Alors, je mets les couvercles sur les petites crèmes pour éviter qu'elles ne sèchent. Et je vais les placer au réfrigérateur. Ma recette est terminée. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous retrouverez dans le descriptif les ingrédients, les quantités, ainsi que le déroulement de la recette. Cuisinez bien et à bientôt !